Une fois de plus pour un nouveau rituel. Alors merci pour tous ceux qui sont abonnés déjà, et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui je vous apporte un rite d'amour. Oui, nous souffrons beaucoup d'amour, donc le rite d'aujourd'hui c'est attirer notre âme sœur ou notre amoureux. Comment faire? Oui, c'est très facile. Je vous apporte toujours des rites très faciles mais puissant. Ça ne veut pas dire que comme c'est facile à faire, c'est pas puissant. C'est facile mais très très puissant. Vous savez que Belle aime blaguer, mais ces choses marchent toujours. Déjà vous le savez, hein? Alors nous allons passer au temps. J'ai fait brûler mon encens. Dans mon plat, il vous faut des pétales en rose, des pétales de rose, pardon, pas de pétales. Des pétales de rose. Si vous n'avez pas de pétales de rose, vous pouvez prendre aussi de l'encens de rose, d'accord, que vous allez faire brûler. Là j'ai allumé mon encens de charbon. Je vais vous montrer cela. C'est celle-là, d'accord. Elle vient comme ceci. Je vous fais voir le milieu, elle est creuse, donc c'est un encens de charbon que je fais brûler. Donc voilà. Là, c'est-à-dire prenez vos encens en grains à sel de rose que vous allez mettre là et faire brûler. Sinon, vous prenez juste vos pétales de rose que vous allez poser là dans votre plat comme ceci. Là, ça va venir protéger votre rituel. Et vous savez, la rose, les roses, c'est quoi? C'est signe d'amour, c'est signe de bonheur, c'est signe, bref, le passion et tout et tout, etc. Donc ensuite, quand vous aurez fait ceci déjà et allumé votre encens, vous allez venir prendre un papier comme celle-là que je lève là, un papier blanc. Et comme je dis toujours, j'ai besoin que vous coupez là. Moi, parce que là, j'ai besoin de vous éliminer cette histoire de machine. Donc que ça soit que c'est vous qui coupez. Donc, vous allez couper les quatre côtés. Tous les quatre côtés. Vous allez couper les quatre côtés, tout, etc. Voilà. Et vous allez faire là votre demande. Vous allez écrire vos demandes. Très important, comme je vous dis toujours, il faut bien spécifier vos demandes. Si n'allez pas écrire là-bas, j'ai besoin d'un amoureux. Point. Il va vous apporter plein d'amoureux, etc., etc. Dites bien ce que vous voulez. J'ai besoin d'un amoureux, d'un prince charmant comme ceci. Entrez vraiment dans la chose, comme je vous dis toujours. Entrez dans la chose. J'ai besoin d'un amoureux qui va vraiment être, qui va m'adorer, qu'on va être ensemble, qui va me chuchoter et que je vais le chuchoter parce que vous aussi, parce qu'il ne suffit pas qu'il vienne vous adorer et puis vous ne l'adorez pas. Non, ne demandez pas trop et vous ne donnez non plus en retour. Vous avez besoin d'un âme sœur, oui. Oui, vous avez besoin d'un âme sœur, vous avez besoin qu'il ait les cheveux blancs, qu'il ait les cheveux... Comme une m'a demandé qu'elle... Pardon, je m'excuse. Sœur-ci, c'est toi qui m'as demandé que tu avais des soucis, tu voulais avoir les hommes blancs. Ceci, tu peux faire. Donc, en faisant ce rituel, tu peux dire, je veux un âme sœur, mais je veux qu'il soit un homme blanc. Je veux qu'il soit un blanc. Je veux qu'il soit un... Vous pouvez dire, je veux qu'il soit un noir. Je veux qu'il soit fort. Je veux qu'il soit ceci, actif sexuellement. Je veux qu'il soit... pourquoi pas? Vous demandez, vous, les assoiffés d'argent et tout ça, tout le monde a ça. Je veux qu'il soit riche, un homme riche. Oui, il y a une autre aussi qui m'a dit qu'elle voulait avoir des hommes riches. Là, vous demandez dans votre demande, vous écrivez, vous voulez un amoureux, mais qu'il soit riche, et c'est cela, machin, tout, qu'il soit beau, avec des yeux verts, des yeux machin marron, etc., qu'il soit ce que vous voulez, tic-tac, c'est votre problème là-bas. Donc, ce que je voulais dire ici, important, que dans votre demande, soit vraiment, vraiment spécifié, comme je dis toujours. Déjà, écrit votre demande sur le papier, d'accord? Vous allez venir plier votre demande comme ceci. Vous allez plier votre demande. Voilà.
Vous allez déposer là. Ensuite, vous aurez besoin d'une bougie rouge. Oui, la bougie rouge. Celle-là, elle n'est pas vraiment rouge, mais elle est valable aussi. C'est l'amour, la passion, je peux vous montrer. Même là, je ne l'allume pas parce que je n'en ai pas besoin. C'est juste pour vous montrer quoi. Donc, l'amour, la passion, vous aurez besoin de votre bougie rouge. D'accord? Vous allez allumer votre bougie rouge là. Votre demande. Là, vous allez la poser juste au pied de votre bougie allumée. Vous la déposez juste au pied de votre bougie allumée. Ensuite, vous allez prendre votre petit pocheron, votre pocheron rouge comme ceci. Vous allez le remplir également des pétales roses. Bon, remplissant, vous allez mettre une bonne quantité de pétales rose comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre demande, votre vœu, ce que vous avez écrit, votre lettre d'amour, votre lettre de demande. Vous allez l'introduire à l'intérieur également comme ceci. D'accord? Pliez-le le plus maximum possible. Et ensuite, vous allez venir attacher. Vous allez l'attacher en remerciant votre rituel. Comme je dis toujours, il est très important que quand vous faites vos rituels, il faut demander, il faut remercier après votre rituel. Il est très très important. Donc vous allez venir remercier en attachant, en remerciant votre rituel. Donc le premier, vous allez dire: je vous remercie d'écouter ma prière. D'accord? Vous faites le premier nœud. Le deuxième nœud, vous dites: je vous remercie d'avoir exaucé ma prière. Vous attachez. Le troisième nœud, vous dites: je vous remercie d'avoir exaucé ma prière. De nouveau. D'accord? Une fois déjà attaché comme ceci, vous allez venir passer sur la fumée de votre encens comme ceci. En méditant, vous allez méditer ce que vous avez écrit sur votre papier, sur votre lettre. Vous allez méditer, méditer. Vous allez demander une fois de plus. Vous allez faire appel une fois de plus à vos anges de venir vous aider, de vous venir en aide. Que vous avez besoin de rencontrer votre âme sœur, votre amoureux, etc. Là encore, comme je dis toujours, bien spécifier ce que vous voulez dans votre demande, qu'il soit beau, qu'il soit mignon, qu'il soit costaud, qu'il soit petit, qu'il soit géant, qu'il soit comme vous voulez, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit machin, que vous avez besoin qu'il soit, qui vous donne la lune, qui vous amène au resto, qui vous achète, qui vous offre des cadeaux et quoi et quoi et quoi, qui vous épouse à quelques minutes, dans les minutes qui suivent de votre rencontre, comme vous voulez. Ça, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, déjà, une fois que vous avez fait ceci comme cela, vous allez le déposer au pied de votre bougie. D'accord? Ça, imaginez que votre bougie, elle est allumée. J'ai dit, je ne l'ai pas allumée parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin qu'elle soit allumée. Je n'ai pas besoin de cette bougie-là maintenant, sauf que je ne l'allume pas. Vous allez la déposer au pied de votre bougie. Ce rite, je vous conseille de le faire le matin, très tôt le matin, là, pour permettre à la bougie de se consumer toute la journée. Ou encore de le faire le soir. Là, vous laissez consommer toute la nuit parce qu'il faut que la bougie se brûle totalement. Mais alors, si vous le faites dans la nuit, faites attention, maison, d'accord? Alors, vous allez le laisser là jusqu'à ce que la bougie termine de se brûler. Vous allez garder votre pocheron. Je vais dire, dès que votre bougie est terminée de brûler, vous allez récupérer votre pocheron, que vous allez le garder soit au chevet de votre lit,
soit dans votre soutien-gorge, vous pouvez le porter dans votre soutien-gorge, dans votre poche pour les hommes, bien sûr, dans votre sac à main, les hommes qui portent les sacs à main aussi, vous pouvez le garder là-bas aussi. Bonne chance à tous, belle!